Former les jeunes entrepreneurs gabonais au numérique, telle est la mission que s'est confiée Grâce Emmanuelle Nguan, directrice générale de Butterfly Event. Accompagnée de ses partenaires rwandais, promoteurs de la solution digitale BiscoTap, la jeune entrepreneur gabonaise s'est entretenue le 23 septembre avec une vingtaine de jeunes entrepreneurs gabonais dans les locaux du Pôle national de promotion de l'emploi. Nous avons décidé de nous associer au groupe BiscoTap afin de mutualiser nos forces, afin d'emmener des nouvelles solutions au niveau du continent africain et particulièrement dans notre pays, le Gabon. Alors la rencontre s'est faite au Rwanda et ensemble nous avons décidé de venir créer BiscoTap Gabon et aujourd'hui nous avons décidé de le présenter à nos frères entrepreneurs et à la population gabonaise. Au cours d'une mission de prospection en terre rwandaise, la jeune entrepreneur gabonaise a fait la connaissance des promoteurs de BiscoTap avec qui elle a conclu un accord de partenariat dans le domaine du numérique et de la technologie NFC. BiscoTap étant spécialisé dans la fourniture des solutions numériques pour l'échange d'informations entre professionnels et organisations. L'objectif est de former les jeunes entrepreneurs gabonais au numérique, comme l'indique Grâce Nguan. Nous avons décidé de former des jeunes hommes gabonais et femmes. Pourquoi je commence par les hommes? Parce qu'on a reçu, lors du programme Gabon Fly Woman Entrepreneurship, une demande forte de jeunes hommes qui souhaitaient être formés. Et on s'est dit que le manque de formation sur tout ce qui est digitalisation et nouvelles technologies ne pouvait que se faire en allant rechercher des personnes qui ont déjà une expérience. Le groupe rwandais développe des produits de dernière génération dotés de la technologie NFC et du code QR intégré qui vous permet de partager vos coordonnées, vos réseaux sociaux et bien plus encore sur n'importe quel smartphone sans aucune application. Compatible avec tous les smartphones, Apple et Android, solution qui a par ailleurs été présentée aux personnes ayant effectué le déplacement.